Bonjour, c'est Fu et Wen et on se retrouve pour un nouvel épisode de Revoir Sixsam, en l'occurrence l'épisode numéro 6. Alors, pendant que Wen fait sa petite toile, parce qu'on essaye d'atteindre les 20 heures sonnantes pour que nous puissions aller nous promener à l'extérieur, on va faire un petit récap de notre objectif. On a 3 cristaux, il nous en faut 5 pour qu'on ne soit plus obligé d'avoir ce couvre-feu qui nous rend nocturne. Ensuite, il va falloir se bouger pour avoir un petit peu de compétence charisme. Et puis, il va falloir qu'on trouve la manière dont on va gagner notre vie dans cette première session, puisqu'on ne peut pas encore avoir de travail. Ça sera dans la seconde session. À ce propos, j'ai le plaisir et l'honneur de vous annoncer que j'ai enfin fini la rédaction de mes règles et que je les ai mises sur Sims Artist. Il est probable qu'il y aura des petits changements, notamment par rapport à vos retours. Mais voilà, si vous avez envie de vous essayer au challenge et de vous aussi faire des croûtes, vous pourrez consulter les règles, je les mettrai dans la description. On va empêcher de suite Wen d'aller manger parce que je me suis dit qu'aujourd'hui c'était jour de fête et une fois que j'aurai vendu ce machin, on va pouvoir s'habiller, on va un petit peu se mettre une jolie tenue et on va essayer d'aller se socialiser. Alors, je ne suis pas sûre que la tenue de gladiateur soit la plus appropriée, mais voilà, on va mettre cette petite robe, car j'ai installé un nouveau terrain de ma petite Sunday Sims. Je vous conseille le bazar de Sunday, d'ailleurs, elle fait des choses magnifiques. On a la chance d'en avoir d'ailleurs sur Sims Artist. Et j'ai vu un petit restaurant, et j'avais vraiment envie de commencer à avoir des terrains un peu sympas. Donc, on va aller au resto, ce qui va nous permettre de manger. On va y aller seul pour rencontrer de nouvelles gens, car j'en ai parlé la dernière fois, Ah, mais qu'elle arrête de manger cette gourde. Ah, ça va. J'ai mis dans les règles qu'on devait avoir la compétence charisme pour l'étape 2 qui était à 6. Alors, est-ce que j'ai été clémente? Voilà, l'initié. Est-ce que j'ai été clémente et je l'ai mis à 5 dans les règles? Je ne m'en rappelle plus, puisque c'était samedi et qu'entre-temps, mon cerveau a explosé. Donc, on doit avoir une compétence de charisme à 5 ou 6, ce qui est déjà pas mal. Et ça sera la condition pour qu'on puisse nouer des amitiés. Donc, en attendant, on va pouvoir socialiser avec des gens, mais pas devenir leur ami. Car, toujours dans mon petit trip de paranoïa, on a après tout un extraterrestre sur Terre. Si jamais on nous demande d'où on vient, l'enfance, blablabla, il faut qu'on puisse avoir suffisamment de compétences en mythomanie, dirais-je, pour pouvoir raconter des bobards. Et la mythomanie passe par le charisme, car c'est important de faire croire des choses aux gens en étant convaincant. On va laisser Wen se diriger vers je ne sais pas où. Ben oui, bien sûr, c'est important de se laver les mains avant le repas. Et puis, on va profiter de ce super restaurant. Je vais attendre un petit peu. Peut-être que je peux embaucher du personnel. Bon, non. Ah, ben une nouvelle personne. On va lui dire bonjour. Présentation amusante. Et puis, on va peut-être pouvoir s'incruster avec elle. Oh, ne serait-ce pas des chaussures de Madeleine Sims? Et puis, comme elle a faim... Ah, mais elle a mangé cette gourde. Alors, est-ce que tu veux bien parler avec des gens? Oui, super. Ah, il y a tout un tas de personnes avec qui on va pouvoir devenir amis. Et puis, on va demander une table, hein. Je ne sais pas si on peut s'incruster. Il est beau ce tableau avec les carpes koi. Ah, mais ça ne serait pas notre petit ami. Enfin, pas petit ami. Hein, je rappelle que ce type est tout de même un vampire et qu'on va éviter. Donc vous vous disiez, mais dis donc, on avait dit qu'elle savait aucun sens de la mode. Eh bien, effectivement. Là, on a l'air soft, mais on a quand même un maquillage un peu prononcé. C'est des années 80, mais version je sors le soir. Ah la vache, mais je suis cernée de vampires, ça serait pas... Voilà, Vladislos et le chef. Vous êtes un peu près, madame. Je pense que votre visage est dans mes cheveux. Mais oh, ça va pas? Qu'est-ce que c'est que ça? Cette proximité, là? On passe au travers des gens.
Alors, les pros des platines. Faisons une présentation amicale avec le pro des platines pendant qu'on attend. Mais les gens sont très très proches ici, hein. Ils se rentrent dedans, ils se confondent même. Nous, on va papoter. Présentation amusante. On a déjà fait la présentation amusante? Ah, on ne peut pas parler pendant qu'on attend. Bon, ben, on va poireauter. On est arrivé à l'ouverture du restaurant. Il y a tout le personnel qui se pointe. J'attends d'avoir une table. Je trouve personnellement que le temps d'attente est un petit peu long. Ça commence à me taper sur le système. Ah, ça y est. On va pouvoir manger. Bien sûr, on te suit. Il est beau le bar. Ah ben, elle a bien senti le centre d'intérêt. On est juste à côté. Non, on est où? Ah voilà, on était de l'autre côté. Ma petite Wen, tu as le même sens d'orientation que ta joueuse. Alors, qu'est-ce qu'on va manger, petite Wen? Elle n'est pas hyper inspirée, hein. Alors? Qu'est-ce qu'elle fait? Mais où elle va? Mais n'importe quoi! Mais cette Simsette est dingue! Mais tu peux pas faire ça, il faut que tu t'assoies. Commander pour la table. Ben oui, s'il te plaît, et tu m'enlèves ce maillot de bain. Alors, on l'amène pour sortir, et elle fait quoi? Elle se met en maillot de bain et elle se trempe les pieds dans les nénuphars. Mais elle a aucun sens de rien, c'est vraiment une extraterrestre. Qu'est-ce qu'on va prendre? Sombre délice, un tanginzing, ça m'a l'air très bien. Qu'est-ce que nous allons commander en chute? Les entrées, un gel fruité sphérisé dans un nid de mousse. Ça fait rêver. On dirait le cinquième élément. Charcuterie avec fruits du monde au miel. Ça c'est quoi? C'est la spécialité du chef? Ah non, c'est pour les végétariens. J'ai pas encore de... Ouh là là, 23, oui. Alors, c'est jour de fête, mais moyen. Ensuite, ah ben on peut prendre que les spécialités du chef. Un rouleau de bambou ancien glacé. Nouilles de betterave, semi-ferme. Des pâtes volcaniques, ça s'envoie du rêve. Un œuf à la mousse de la jungle aux volutes de lavande. Ah, bête de la fosse de Sixam élevant en plein air. Parfait. On peut discrètement avoir un petit goût du pays. Et en dessert, qu'est-ce qu'on va prendre? Gâteau vertical aux fruits rouges. Ah. Le choix du chef, non. Total de l'addition. 18 simflouz. Ça me semble un peu bizarre que j'ai 18 simflouz alors que j'ai commandé des milliards de trucs. Ah non, là. Ok. Bon, ben on va commander tout ça, s'il vous plaît. Bon, on va voir. Je sais pas si après je peux donner une note. Il n'y a pas une histoire où je peux prendre des photos de ce que je mange comme les vrais? Est-ce que je peux parler aux gens? Genre, je m'incruste dans leur conversation. Je peux analyser la personnalité ou compatir. J'ai quand même super peur de me faire flag. Donc je pense que je vais rajouter que les interactions de type extraterrestre... il faut avoir un niveau charisme important. Oh, je sais pas. Si je fais ça, est-ce que je peux faire ça en étant assise? Ah non, bah, bien entendu. C'est dommage. Bonjour, ça vous dérange pas si je vous parle? Voilà. Par contre, c'est quoi tous ces petits... tous ces petits trucs qu'ils ont autour de la tête? Ah, je peux m'asseoir et discuter ici. C'est super ça. Je voudrais faire ça, s'il vous plaît. Ne te remets pas en maillot, Wen. Ah, ben elle aussi. D'accord, donc c'est une nouvelle tendance, en fait. Et il va vraiment falloir que tu fasses quelque chose pour ta moustache, mon gars. Il n'y a que moi que ça obsède. Ah mince, mais j'ai pris direct le gâteau. D'accord, donc je peux prendre qu'une chose à la fois. Enfin non, je peux picoler et boire un gâteau. Ok.
Qualité normale. Est-ce que je peux faire des remarques au serveur? Non. Restaurant, si. Commander pour la table. Non. Demander de transmettre. Ses... Ah. Ouais, et ben. On va peut-être demander de transmettre ses critiques au chef. Hein. Oui, on s'en fout. Nous, on est comme ça. Et j'ai oublié de faire une photo. Voilà, elle n'a pas l'air chaud patate. Hein. Ah, si j'avais le niveau 5, j'aurais pu apprendre à préparer ce plat expérimental chez moi. Oui, ben, je l'ai pas. Donc, voilà. Je pense que ça vaut le coup de revenir avec des amis. Ah! Je vais informer le chef dès que possible. Je viens de lui faire un gros pouce vers le bas. Et ton plat, il craint. C'était nul. On va faire 2-3 petites blagues. Faire une blague sur les vampires, je sais bien. Ah ben voilà, il a dit au chef qu'on était furieux et qu'il faut se reprendre. Ah, il est très mal à l'aise. Je pense que aujourd'hui, c'est un petit peu ma journée de la loose au niveau social. Je parle à plein de gens, mais alors je leur pourris la vie. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait faire amical? On pourrait... J'ai tellement envie d'analyser sa personnalité. Mais je suis pas sûre que... Non, j'ai trop peur de prendre un risque. Peut-être que j'ai droit sur les vampires. Je suis en train de fabriquer mes règles comme ça m'arrange. Bon, ma petite Wen, c'est pas tout ça. Mais on va essayer de trouver des cristaux. Parce que c'est bien beau maintenant, mais il faut y aller. Alors, ici, il n'y a rien. Oh, oh. Je sais pas ce qu'elle m'a souri, mais c'est un peu freestyle. Là, des cristaux. Des cristaux. Creuser à la recherche d'un trésor. Je suis extrêmement tentée, mais je préférais creuser à la recherche de cristaux. Ça dérange personne. Hop, là, il n'y a rien du tout. Ah, ma petite Nîmes. Alors, toc, toc, toc. Que dalle. Ah, ah. Alors, là, je peux faire creuser à la recherche d'un trésor. Très bien. Faisons ça. Creuser. Où tu es, Wen? J'en ai qu'une. Et pendant ce temps, au pays des... Je crois que je l'ai déjà. Je suis placée. Léopard, surface du soleil, ok. Ben, vous allez vous reproduire ensemble. Ben oui, avec une autre. Comme ça, je suis sûre que j'ai des sous. Voilà. Alors, 2h22, j'aimerais bien voir au bout de combien de temps est-ce que je peux faire reproduire ces petites grenouilles. Ça fait pas trop mon bonheur en matière de cristaux, j'ai l'impression. Derrière cette végétation. Ah ça, pour trouver des métaux, il y a du monde, hein, mais les cristaux, c'est un peu la dèche. Mais, dites-moi, mais, ça serait pas une petite grenouille qui nous tend les bras? Ça tombe bien, elle était rase. On va les laisser. Ça sert à rien de la regarder chercher des grenouilles. On sait toujours comment ça finit. Là, on a du citronnier. Il n'y a rien à y faire. Je ne sais pas pourquoi j'ai demandé d'aller chercher une grenouille. Je viens de me pourrir ma soirée. J'ai une grenouille. Cible rare. Super. Mais elle est mal à l'aise. Bien entendu. Ça serait quand même dommage. Faut que je fasse gaffe à mon couvre-feu, moi, mine de rien. Du coup, elle ne veut pas creuser. Bien sûr. Ben, on va rentrer à la maison. Tu veux pas rentrer à la maison? Tu veux faire quoi? Tu veux discuter avec elle? Il est beau ce restaurant, j'adore. Amical. Demandez comment s'est passée la journée. Super. Quoi? Louise a découvert que Wensax Cortec était une extraterrestre. Mince. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je dois la tuer? Bon. Ben, pas cool.
Ben, franchement, au point où j'en suis, puisque je suis découverte, je vais analyser sa personnalité. Ah, et ben perfectionniste, méchante et sûre d'elle. Ben, si elle meurt, ce sera pas une perte. Plus de choix. Il y avait un autre truc que je pouvais faire. Se renseigner, se plaindre des problèmes. Bon. Bah écoutez, franchement, si vous avez des suggestions sur qu'est-ce qu'on fait quand on découvre qu'on est extraterrestre, qu'est-ce qu'on fait de son Sims, de ce Sims? Est-ce qu'on doit, je sais pas, s'arranger pour le tuer? Oh, j'aimerais pas trop quand même. Ou alors ne plus jamais lui parler. Ou je sais pas comment on fait. Est-ce qu'on peut lui effacer la mémoire? Ce serait quand même parfait. Oh, j'ai des factures. Bon, journée pourrie en fait. La loose avec Wen se confirme. C'est quand même un must. On l'amène au restaurant, tranquille. La bouffe est dégueu. On est flag qu'on est extraterrestre. Et en plus, on est mal à l'aise avec une grenouille. Bah, c'est le couvre-feu. Donc bouge-toi, ma grande. Allez, retour à la maison. On est embarrassé parce que le déguisement a été découvert, tu m'étonnes. Et en plus, on a oublié de payer une addition. C'est super. Et ça, c'est une améthyste. Et ça, c'est du quartz. Ah. Bon, 4 cristaux. Ça, c'est chouette. Wen, tu te débrouilles. Franchement, je te boude. Je suis pas contente du tout. Je vais garder ça. Alors, est-ce que je peux à nouveau faire se reproduire des grenouilles? Ouais, 2h22, donc. Toutes les 4 heures, on va faire avec une grenouille surface du soleil. Ok, ça revient au même. Non, non, je veux pas les jeter, mais ça va pas ta tête. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se cache. Mais c'est merveilleux. Donc, ça y est, on a réussi à avoir une vie sociale, mais maintenant, on se fait repérer. En fait, je suis pas parano pour rien, quelque part. Transmuter, on peut toujours pas. Elle est trop épuisée. Elle est vraiment précieuse, cette petite Sims. Tu veux te divertir? Eh ben, fais quelque chose qui va nous faire gagner de l'argent. S'il te plaît. Voilà, ça va te divertir. On va avoir des sous. Et puis après, tu seras dans des bonnes conditions pour transmuter ce fichu métal. Et puis, il va falloir qu'on achète un miroir pour pouvoir faire le charisme. Qu'est-ce qu'elle nous peint? Qu'est-ce que c'est? Fais pas un truc trop joli parce qu'après, je culpabilise de les vendre. Niveau 4. Ah, ben ça va, c'est pas trop joli. Donc, ah, voilà, je vais pouvoir transmuter cette petite chose. Et puis ensuite, elle va aller au dodo. Ah, c'est pas trop l'éclate, hein. Donc, tu veux continuer, tu veux t'arrêter, c'est toi qui décides, Wen. Ok, donc tu as l'air d'être parti pour. Tu le transmutes, moi je le vends à un collectionneur. Et on a quoi? Oh, purée, ça vaut rien du tout maintenant. C'est pas que je sois vénale, mais c'est qu'on doit quand même économiser 15 000 simflouzes. Donc, c'est pas rien comme somme. Oui, je veux vendre cet élément. Et puis, en plus, on a les factures. Je suis pas convaincue que ce soit logique d'avoir des factures parce qu'on a quand même une planque. Donc, je pense que je vais plutôt. Que j'ai oublié de redésactiver le. De désactiver le. De mettre le code, pardon, pour désactiver les factures. Donc je pense que je vais avoir recours à un subterfuge qui est de payer les factures et ensuite de me recréditer la somme. On va prendre une douche spéciale névrose. Et ensuite, pendant qu'elle fait ça, moi je vais m'occuper ici d'aller à la boîte aux lettres qui est cachée par là. Je ne sais pas si je l'avais dit, donc 383 Simshoes. Mais j'ai également mis en partage le terrain le week-end dernier, si jamais vous avez besoin d'un terrain.
si vous voulez vous essayer au challenge. Vous pouvez bien entendu créer votre propre terrain, ce n'est point un souci. Donc, hop. Il va falloir testing sheets to. Voilà, et modify fonts 383. Voilà, comme ça. Hop, je remets testing sheets à false. Et comme ça, j'anticipais l'argent que je vais perdre. Parce que c'est pas logique qu'on paye des impôts dans la mesure où on est totalement planqué. Faut pas exagérer non plus. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'elle a? Elle est pas contente, elle est pas divertie du tout. Hop là, il est 19h35. Rentre chez toi vite, qu'est-ce que tu fais? Ouais, bien sûr. Ben voilà, à la maison. J'ai pas fait gaffe à l'heure, je fais n'importe quoi. Elle a la dalle pour changer. Cuisiner, ben, pas grand chose. Ça aussi, ça serait bien quand même. Mais je me tâte à acheter une cuisinière dans la mesure où on n'est pas chez nous. Et que mine de rien, ça va faire des sous en moins. 15 000 simflouz, je sais pas. J'aimerais vraiment me lancer dans la compétence bricolage. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on a comme compétence, mine de rien? On a quand même après faire deux, trois petites choses. Bricolage, on a deux. Chant, on a deux, ouais. Charisme, on a un. Cuisine, ben, que dalle, hein. Et en plus, je me suis pris un malus. L'écriture, c'est bon. Le jardinage, c'est la dèche. Et la peinture, on est au taquet. Ben, on va se mettre au bricolage, parce que j'aimerais bien explorer cette compétence, ma foi. Et, ah oui, ça, finir de lire trois livres. Ben, ça aussi, ça peut être sympa de faire ça. Hop, est-ce qu'on peut lire? Belle prise. Hop, on pourrait allier le plaisir à l'utile en lisant un truc de bricolage ou je ne sais pas. Non, laisse tomber. Finir trois livres. Ah, ça compte peut-être pas. Il faut peut-être que ce soit un roman. Allez, Le Seigneur des Marmots, c'est parfait. Tant qu'à faire. Cette petite vue comme ça du ciel est toujours très très agréable. Si on pouvait tant qu'à faire se divertir et aller au cabinet, on gagnerait du temps. Hein? Super. Alors oui, toujours au cœur de l'actualité. Donc il me faut un cristal. Donc tu vas te divertir et on va aller directement dans notre endroit préféré au monde, celui où on a déjà été 15 fois et qui fait... non, on va y aller toute seule. Louise le Fèbre. Qu'est-ce que je peux bien faire? Vraiment, ça me tanne. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'on me découvre. Donc, comme quoi, les interactions, c'est compliqué. Ben, va falloir faire en sorte de plus jamais lui adresser la parole. Je ne suis pas sûre que je puisse... Je ne sais pas quoi faire, effectivement. Voilà, que faire face à un Sims qui nous a découvert? Mine de rien, on va aussi avoir besoin de la compétence physique. Donc, comme je suis dépitée, je ne pense pas que je vais la faire faire du charisme. Ah, quoi qu'il y a un miroir ici. Tu veux qu'on y aille ensemble? Non, merci. Vas-y, imagine que c'est elle. Tu vas jamais le dire que je suis une extraterrestre. Tu vas voir autrement ce que je vais mettre dans ta tête. Voilà, il faut se défouler un petit peu. Ça ne monte pas très vite cette compétence physique. Tant qu'à faire, eh bien, écoutez... je vais faire un discours. Ça fait pas monter ma compétence charisme, s'entraîner à faire un discours? Mais c'est nul. Je pensais que ça me ferait monter ma compétence charisme. Non, rien du tout. Bon, ben, pendant qu'elle papote, on va... Pourquoi je suis jamais du bon côté de ce truc? On va aller au parc. Je sais pas vous, mais moi je la sentais bien cette partie. Et au final, j'ai comme l'impression qu'il y a une grosse stratégie de la loose qui m'a rattrapée. En plus, je suis blasée parce que j'ai les copines qui tentent le challenge. Elles ont eu les cristaux de suite. Allez, chope-moi un cristal que t'as pas encore. Alors, on en est où, Anne? Quel puits temporel. Si tu savais à quel point j'en ai rien à faire.
Vu qu'on a couru, où elle est? Elle se fiche de moi. Elle est sur son téléphone portable. J'ai l'impression qu'elle me fait comme Morgane, la Simsette de Delise. Dès qu'on ne les surveille pas, elles font n'importe quoi. Ah ben bien sûr, la compétence sociale est ras des pâquerettes. Un cristal, s'il te plaît. Un cristal. Il est où? Quoi? Je commence à être sérieusement agacée par ce jeu. Je ne vous dis pas à quel point je suis pas contente. Mais là, si j'avais une manifestation de Sims avec marqué pas content, j'irais. Non, mais c'est pas possible. Filez-moi un cristal. Des cristaux, je sais pas. Filez-moi un truc. Que ça m'énerve. Des patates. Ah, ça, y a de la grenouille. Hein. Mais après, le reste, on peut toujours se gratter. Où est-ce que je pourrais aller pour essayer de choper des cristaux? Bon, on tente le tout pour le tout. On va aller une dernière fois dans un parc. Il nous faut absolument ce cinquième cristal. C'était quand même l'objectif du jour. Allez, on va au parc. T'as qu'à rejoindre la partie. Toi, ça te fait un peu de sociabilité. Et moi, pendant ce temps, je pars en quête. Ma petite Wen, j'ai trouvé un seul caillou. Mais il y en a vraiment un seul. Donc, il faut que tu y fonces. Et il faut vraiment que ce soit un cristal. Allez, attention. On est super concentré. On sort un cristal. Et on l'a déjà. Bon, tu es pour rien. Mais c'est pas ça qu'il nous fallait. Vous sentez le désespoir? J'ai fait un gros soupir. Je suis sûre qu'on l'a entendu partout dans la maison. Bon, ben, pas de chance. Maison. Ah, stop, pause. Ici. Il nous le faut. Je t'assure, Wen, on n'a pas le choix. Oui, il est 6h15 du matin et on peut se faire repérer. Mais si j'ai ce cinquième cristal, on sera tranquille pour toute notre vie. Presque. C'est quoi? Un quartz rose. On l'a le quartz rose? Je crois qu'on l'a pas. C'est trop bien. Allez, on rentre à la maison. On a la bourre. Allez, hop. Oui, on s'en fiche de la capsule, hein, très honnêtement. Alors, vérification. Celui-là, on l'a. On s'en fiche. Et celui-là, on l'a pas. Victoire! Ah, oui. On a nos 5 cristaux, donc nous ne sommes plus dépendants du couvre-feu. On est juste dépendant de moi qui n'arrive pas à poser ce cristal. Il y a un endroit où tu es d'accord? Voilà. Bon, ben alors ça, c'est super. Viens ici, ma petite. Viens ici, ma petite Wen. Ce que je vais faire pour t'occuper, c'est que je vais te mettre un miroir et tu vas papoter devant le miroir parce que de toute façon, il te faut un peu choper du charisme parce que là, c'est la loose. Donc, un miroir. Hop là. On va le mettre là. Très bien. Et puis, tu vas venir ici s'entraîner à faire un discours en espérant que cette fois, ça te fasse augmenter ta compétence. Les patates, on vend tout. Ça, j'ai déjà demandé 40 fois de l'ouvrir. Si tu pouvais m'écouter, ce serait super. Ici. Alors, faire se reproduire avec la grenouille cible. Oh, toujours rien. Bon, écoute, c'est pas grave. Ça nous fait quand même une grenouille à 125. Ah, au moins le charisme augmente. Donc c'est bien. Cette capsule, elle va jamais me l'ouvrir. On s'en fout, de toute façon, c'est des petits bonhommes, on s'en fiche. If. Ok, on commence à avoir un petit pécule. Donc, ce qu'il faudrait dans l'absolu, c'est pouvoir... Est-ce que je peux mettre les choses dans mon inventaire familial, mes cristaux, parce qu'ils me prennent un petit peu de la place. Et ça m'arrangerait bien de les avoir ici. La dèche au niveau d'espace, on est dans 2 mètres carrés. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, ils sont tous différents, ils sont tous beaux. C'est cool. Maintenant, je voulais acheter le machin de bricolage.
Dans l'absolu. Ok, un établi d'ébéniste, 750. Donc, 750, toc, toc, toc. Donc, comme j'ai mon truc de bricolage 2, on est bon. Je suis dans mes clous. Ok, ça c'est super. On va fabriquer directement un meuble. Une jardinière, ça serait top une jardinière. Mais je n'ai pas encore la compétence jardinage, mais au moins je l'aurai. Ouais, on va faire ça. Fabriquer un meuble, une jardinière. La compétence charisme, mais ça prend 40 ans, quoi. Ok. Ben, on va s'arrêter là, parce que c'est absolument pas palpitant de te voir parler. À toi-même. On a Buddy qui va nous rapporter des sous. Ok, on a fait un gros investissement, mais on est obligé de dépenser beaucoup pour ensuite gagner de l'argent. Et puis, on va espérer que ça prenne pas 40 ans. Oh, alors, et les curseurs sont au plus bas. Mais de notre côté, maintenant, je peux sortir quand je veux. Donc, on va pouvoir se recaler comme il faut. Donc, ici, je viens juste de finir ma jardinière. Elle est où? Ah, dans l'inventaire du foyer. Ok. Laisse-moi voir combien ça rapporte, s'il te plaît. 35. Bon, c'est pas grand-chose, donc on va le garder. On va laisser Wen vivre sa vie et remettre les curseurs au taquet pour qu'après elle puisse être dans des bonnes conditions pour reprendre la prochaine fois. Donc au final, je voulais avoir un épisode festif où on allait papoter, se faire des amis. Et on a mal bouffé, on s'est fait repérer comme extraterrestre. On a mis des plombes à trouver un cristal, mais ça, c'est chose faite. Donc au final, point positif, j'ai pu acheter la glace et avoir la confirmation que le charisme, ça allait être très très long à obtenir. Donc il va falloir trouver un moyen un peu plus malin de l'augmenter. Et on vient d'acheter cet énorme établi de bricolage qui va nous permettre d'augmenter la compétence bricolage. Pour l'instant, la jardinière, ça rapporte pas énormément d'argent. Tiens, on va lui. Envie de temps. Gagner le. Non, on va pas y aller. Donc voilà, fabriquer un meuble, la jardinière 17, voilà, c'est du plus 50%. Donc ça, on va essayer d'augmenter la compétence et gagner des sous. Et puis voilà. Donc ça, c'est pour la prochaine fois. Donc la conclusion que j'en tire, c'est que je ne prévois pas de programme puisque ça part toujours en vrille. Donc, ben, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Et donc, si vous avez envie de vous lancer vous aussi dans le challenge, ben, dites-le-moi. Moi, ça m'intéressera de vous suivre si jamais c'est sur écrit ou quoi que ce soit. Ce terrain-là est disponible sur Sims Artist pour le site en téléchargement. Et les règles sont aussi disponibles sur le forum. Vous aurez le lien dans la description. Ben, je vous dis à bientôt. Ciao!